Miles, j'ai des signalements concernant un hélico devenu incontrôlable. Et un caillou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve sur Spider-Man Miles Morales pour la suite de notre petite aventure. On va se consacrer à l'histoire principale, la suite. Donc c'est parti. On va aller par... Putain, c'est loin. Ok, c'est jusque là. On va stepper ici. Et c'est parti les boys. Allez, petit salto. Salut salade spatiale. Comment ça va mon amigo? Mon amigo numéro 2 du chat. Bientôt numéro 1 qui va prendre. Qui va détrôner le roi bientôt. Le roi est en alerte. Il surveille sa place de numéro 1. Allez, c'est parti. Yuli. Eh ben écoute, ça va plutôt pas mal, Saladin. Cet après-midi, encore train. Wow, c'est semaine train en ce moment, Salad, c'est ouf. C'était une drôle de façon de m'annoncer que t'étais Spider-Man. J'aurais pu te tuer. Eh ouais, tu veux que je culpabilise parce que toi, t'as failli me tuer? Je veux que tu arrêtes de me mentir. Je t'ai fait entrer dans l'Underground parce que je pensais que tu comprenais. Et je comprends. Mais là, t'es où du coup, Salad? Tu es Oxon chez toi ou tu es à l'école? Mais pas comme ça. C'est le seul moyen que j'ai de le battre. Tu dois me laisser faire. Je t'en prie. Je peux pas. J'ai fait une promesse. Je pense que c'est après, mais comme j'étais en week-end ce soir... D'accord, ok. Oh nice, t'es déjà en week-end ce soir. C'est bon ça. Moi aussi. C'est very good. Tu vas chez tes parents? Pourquoi cet endroit? Et bah quand tu seras arrivé à destination, bien le bonjour à tes parents, hein. Même s'ils me connaissent pas. Ça fait toujours du bien de revoir la famille un peu. Le concert. Cette chorale venant de sept pays. Tu te souviens? Ça booste, ça remonte le moral. Quand on s'entend bien avec les parents, bien sûr. C'est pas le Ghana, tu confonds avec la Guinée. Non, non, je suis sûr que c'était le Ghana. Ouais, Ghana, Guinée, c'est... Pologne, Cuba... Corée du Sud, Thaïlande, Venezuela... T'as raison. Comme toujours. Pas toujours. Ça commence par la même lettre. Hein? Ouais, le retour de Rhino. You. Il est éclaté lui. Des petites toiles dans les yeux. Ok, il a changé de combinaison par rapport à la première fois qu'on l'a vu. Génial. Ah, dead. Speedy. Ça marche, Alan. Attends, je vais juste ban le boss. Je suis déçu, mon grand. Krieger. Ouais. Hop là. La jeune Mason. Je savais qu'elle allait m'énerver. Mais toi. J'espérais qu'on serait sur la même longueur d'onde. On est où, là? Ah, il m'a pas enlevé mon masque. Derrière le rideau. Il est trop sympa. C'est notre complexe le plus sécurisé. C'est ici que je fais ma tambouille. Vous êtes une ordure, vous le savez, ça. Tu sais, quand
Son frère et moi mettions au point le Nuform. Vous avez juste mis votre nom sur le brevet. Il disait que tout ce que vous saviez faire, c'était vendre les idées des autres. Au moins je respire encore, ma puce! Changeons de sujet, d'accord? Il est vénère. Alors, pour commencer, je vais... Waouh! C'est trop génial. C'est volontaire ou c'est un réflexe? La vache, c'est top. C'est volontairement un réflexe, on va dire. Je vais te débarrasser de ce masque. Et je trouverai comment tu fais ça. Parce que tu... dégages un parfum de bio-ingénierie ultra avancée. Tu sais ce que ça me rappelle, gamin? L'odeur de l'argent. Bon, c'est l'heure de ma muscu. Aujourd'hui, c'est les jambes. Faites-la avouer où est mon uniforme. Sans ça, on ne peut pas ouvrir la plaza. Oh, et servez-vous de lui. On va finir ce qu'on a commencé sur le pont. Et sans caméra. C'est parti. Hey, je peux pas me défendre. Voilà. Maintenant, on est bien. Wow. Allez. Tu vas bien? Ils allaient te tuer. Ok, nouveau merde. Pouvoir. Enfin, nouveau mode de bioélectricité. Faut qu'on trouve une issue. Ok, on va essayer de trouver ça. Roxanne a gardé Rhino au lieu de le livrer à la police. Alors, trouvez la sortie. C'est dingue. Rien. Ne me surprends plus à propos de Roxanne. Est-ce que ça va? Ça ira, quand on sera dehors. Ok, on surveille. Je désactive la vidéosurveillance. Tu peux regarder l'ordi? Ok. Je suis assez bon en informatique. T'as trouvé quelque chose? La sortie est là, à l'autre bout de ce bureau. On devra d'abord lever le verrouillage de la base depuis le poste de commande. D'abord, faut qu'on s'échappe de l'aile de sécurité. Je vais jeter un coup d'œil en bas pour voir à quoi on a affaire. C'est verrouillé. La bioélectricité a marché dans la cellule. Ça devrait marcher sur la porte. Si je trouve la... Salut, toi. Eh ouais, moi je peux passer partout. C'est déverrouillé. Je vais de l'autre côté. Je suis au-dessus. Ok, on se retrouve là-bas. Ah, on doit sortir par cette porte, mais je vais devoir pirater quelques terminaux pour désactiver l'alarme. Je m'occupe des gardes. Les caméras de surveillance sont à... Alors, distrayer ou éliminer des ennemis qui bloquent le chemin de fil. Ok. Je parie que le nouveau là, il pourrait même faire parler Spider-Man. S'il y a des gens qui n'aiment pas Roxanne Plaza, ils n'ont qu'à démarrer. C'est quoi encore ces pannes de courant? Comment tu veux que je le distrais, lui? Je peux pas l'attraper? Ah, moi je veux le faire sneaky. Oh, j'aurais dû apporter le café. Okay. Gare aux araignées, mon. Il y en a deux plus loin. Comment on a fait pour les avoir? Ok. Non, il est trop bête, sans subtilité. Un agent extérieur nous... Ok, elle, elle est là. Conseil d'amis, gaffe à ce que tu dis au vent. Ça va marcher. Je l'ai vu pousser à bout de trois. Ok, lui, je vais essayer de le choper aussi. L'étoile, fouillez le secteur, il est là. Je vois pas l'intérêt d'enfermer Spider-Man et Kinger. Ok. Rigger a toujours un angle d'attaque. Il estime qu'ils ont plus de valeur pour Roxanne vivant. Ces gosses de l'underground n'ont pas la moindre chance. Dors bien, mec. Hop, on se remet furtif. T'as déjà été en poste à la plaza? Ils enchaînent les heures sup pour que ça ouvre la semaine prochaine.
Hop, mais on l'élimine aussi. RAS dans ce secteur. Bien, chef, je m'en charge. Je savais que je pouvais le faire. Ah, bientôt la fin du cercle. Petite toile d'araignée. On est en train de faire une collection au plafond là. Tous les réacteurs seront en marche, les gens arrêteront de se plaindre. C'est plutôt beau gosse. C'est quoi ça? Attention, il y a des toiles de ce côté. Non, fais le tour. Tu veux pas venir faire le tour? Faites attention, Spider-Man est là. Ok, il y a lui qui y va. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Laissez pas Spider-Man s'échapper! Ok, lui, on va le pécho. Viens en renfort. On se met fufu quand même. Gare aux araignées, mon pote. Ok, nice. Là, les deux, ils sont en danger. Merde, fuck. Attends, j'ai entendu quelque chose. Salut. Attention, il y a des toiles de ce côté. La voie est libre. Hop là. Je lance un décryptage. Full discrétion. Pas de soucis, Salad. Bon voyage en train, okay. Du coup, et puis on se reverra peut-être ordinateur. Un peu plus tard, quand tu seras bien arrivé. Oh, mais merde, il y en a encore deux, là. Finn, faut qu'on parle. Faire sauter la plaza, c'est pas une bonne idée. Empoisonner la ville avec un carburant dangereux non plus. Ouais, mais il doit y avoir un meilleur moyen pour battre Orks. Parfois, les stratégies ont des points faibles, comme décider de mentir à ses amis. Sortons déjà d'ici. Ok. On a une vraie discussion. Je sais pas d'où il sortait, mais... C'est pas toujours aussi facile. Ok. Je vais court-circuiter le verrou magnétique. Toi, active la commande là-bas. Ça marche. Attends, qu'est-ce qu'il m'a demandé de faire, lui? Faut que j'active la commande là-bas. Ouais. Et j'y vais comment? Je crois que je peux descendre par là. On dirait une collection d'archives. Yes. Je me Personne, là. Sur ces ordi. Non. Ok. Eh, hey. Roxxon vous vole vos affaires. Toi aussi, d'après ce qu'on m'a dit. Merci, d'ailleurs. On dirait un mémo vocal de Krieger. Très bien, sonne vraiment, hein. C'est pas un milieu pour les cœurs sensibles. On pourrait peut-être poser une plaque en sa mémoire. Ah, non. Donner son nom à un banc. Ah, je suis sûr qu'il adorerait ça. Simon Krieger, le roi de la compassion. Ok, ok, on va mettre un petit peu, on va toucher ça partout. Salut Remdes. Plus d'infos sur Rhino. Comment ça va? Il dit qu'il veut raccrocher, mais soyons réalistes. Sans sa grenouillère en métal, personne n'aurait rien à battre de ce type. Améliorer son armure. Si on l'aide à broyer l'araignée junior, il oubliera toutes ses histoires de retraite. Ce mec passe son temps à manipuler les gens. La forme tranquille, eh ben c'est cool, ça va plutôt pas mal. Hein. Ça va plutôt pas mal. Je m'amuse beaucoup sur ce Spider-Man. Franchement, très sympa. Des notes sur les prestataires indépendants. Mais je m'attendais à ce que ce soit comme ça. Hein. Je savais que sur Spider-Man. Tombstone est hors circuit, Black Cat s'est rangé. Si, il y a beaucoup de ressemblances, Rem. Ouais, il y a quelques petites nouveautés, mais. Genre la bioélectricité, c'est nouveau.
Mais sinon, le principe reste un peu le même. Ils ont pas pris trop de risques, on va dire. Mais c'est toujours plaisant à jouer. C'est fluide, c'est propre, c'est beau. C'est franchement, c'est bien. On n'en demande pas plus à un jeu. Hein. Voilà. Contournement réussi. Il y a un mémo vocal là-dessus. Chef, la police nous a demandé pour Rhino. Qu'est-ce qu'on répond ? Notre contact du RAFT crée un programme de réinsertion citoyenne. Dit aux agents que Rhino fait quelques travaux d'intérêt général. Comment ils ont pu leur faire gober ça ? La porte est déverrouillée, mais tu dois l'ouvrir. D'accord. Ok, c'est moi qui fais tout, quoi, en gros, c'est ça. Coucou, je m'appelle Speedy et j'arrive. Je ne peux pas les laisser partir tant que je n'aurai pas mon uniforme. Oh, il y a Rhino là. Ton Gorin devait prendre que la chaud. Ouais, ça ne me plaît pas. Je vous explique. Spider-Man est le meilleur levier dont je dispose. Ouais, mon avis, c'est ce qui se fera, Rem. Mais pas sur, sur la nouvelle génération de consoles, je pense. Enfin, je pense qu'il y aura un délire comme ça. Tu vois, ils ont fait la même chose avec Batman. Donc ça m'étonnerait peut-être pas qu'ils le fassent avec Spider-Man, ou alors ils le feront que avec Batman. Le prochain Batman, c'est exactement ce que tu viens de citer. Exactement ça. On va jouer tous les héros de Batman. J'adore quand tu dis ça. Sauf Batman en lui-même, parce que il est mort. Enfin, il est considéré comme mort. Relâche Spider-Man et je te ramènerai ton uniforme, des infos sur l'Underground, tout ce que tu veux. C'est une balance, mon oncle. C'est une raclure. Spider-Man. Moi aussi j'ai un levier. J'ai vu des choses. Le uniforme qui rend les gens malades. Ce qui est arrivé avec Wilson. Si la presse l'a... Mais tu ne diras rien. Parce que tu es un voleur recherché. Et puis avec tous nos antécédents, on nous mettra sûrement dans la même cellule. Et on sait tous les deux que ce n'est pas l'altruisme. Rhino, il a changé de costume hein, par rapport au début du jeu. Donc, quand on l'a affronté. Nous allons rejoindre Miss Mason et Spider-Man, mais j'ai peur que toi, tu ne sois pas invité à la fête. Non, je suis sneaky, ouais. Full sneaky. Bye. On peut changer de tenue, hein, si vous voulez. J'en ai 4 ou 5 de tenue. Mon Clarol. Non. Attends, tu connais Steve. C'est à cause de lui qu'ils nous ont capturés. Oh. Je savais qu'il travaillait avec Roxxon, mais... j'aurais pas cru... qu'il me livrerait comme ça. J'y crois pas. Tu m'as attiré dans un piège. Pourquoi je continue à t'écouter ? Fin, non. Il doit y avoir une explication. Je savais pas que ça allait arriver. C'est quoi ? Arrête ! Ils ont lancé un verrouillage. Il faut qu'on rentre dans ce poste de commande. Ok. Donc on doit passer de l'autre côté de ce volet. Il y a un panneau de maintenance ici, mais il faut l'alimenter. Okay. Je vais voir ce que je peux faire. Ok, ça c'est pour moi ça. Voilà, t'as l'électricité. Ah, je peux pas bidouiller le rideau, mais je peux déplacer les machines, comme cette grue. Ça nous sera peut-être utile. Je vais regarder le reste. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour leur blinder. Ok, tu veux que je déplace quoi, la grue ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Ok. La grue est un truc, cette espèce de moteur maintenant. Ok, c'est bon, j'ai pas besoin de la stabiliser. J'ai une idée. Tu peux déplacer la grue vers la chaîne de montage ? Ouais, je crois que je vois ce que t'as en tête. Attends, faut que je déplace la grue vers la chaîne de montage, elle a dit. C'est ça qu'elle a dit. Oh merde ! Ah, je l'ai pris en pleine gueule. Ok, ce laser devrait activer le moteur. Ah merde ! Le laser a lâché. Je dois pouvoir rediriger le courant. Attends, il y a... ça qui a le... qui veut aller... Où est-ce que je vais mettre du courant ?
Ah, attends. Faut que j'arrive à rétablir. Enfin, que je fasse une liaison entre les deux. Ok, donc. Non, tu peux juste. Ok, je peux pas, apparemment. À moins que. Si. Ouais, non, ça passe pas à travers. Faut que j'arrive à enlever ce. J'arrive à enlever ce truc. Je trouve de l'énergie. Ah mais si, attends, je peux peut-être depuis. Merde. Je peux peut-être le faire depuis là, non? Je pourrais lancer ces toiles sur ces connecteurs pour réalimenter le laser. Ouais, mais le connecteur, il y a un truc qui bloque devant. Super. Mes toiles conduisent bien l'électricité. Ouais, ok. C'est pas ça qui va m'enlever l'espèce de barricade qu'il y a devant là. Cette vitre est dans le chemin. Ouais, comment je fais pour péter la vitre moi? Je peux péter la vitre? Comment je vais faire ça les amis là? Ah mais attendez, peut-être que maintenant je peux, vu qu'il y a du courant qui arrive. Non, ok. Comment je vais conduire ça de l'autre côté? Il y a un connecteur sur la grue. Ouais, bah j'ai vu. Ah, mais attends, si je la déplace un peu. Merde. Si je la déplace, normalement c'est good là. Voilà. Attends, non. Enfin, mets-toi là. Voilà. C'est bon. Lance le laser. Okay. Et un laser. Parfait. Si je surcharge le moteur, ça va exploser. On a justement besoin d'une explosion pour détruire ce rideau. Ok, il faut une explosion. À terre. Allons-y. On y est prêt. Ah ouais, c'est pas très discret ça par contre. Voilà notre sortie. Il nous faut quelques minutes pour l'ouvrir. Apparemment, ils ont deviné notre plan. Ça t'étonne? Y a qu'une seule issue. Merde. Ok, je vais m'occuper des gardes. Toi, tu ouvres la porte. Bon bah, moi de m'en occuper. Hein. T'as jamais eu envie de m'appeler pour me dire que t'étais Spider-Man? C'est un secret, meuf. J'ai pas le droit de le dire. Tu sais, quand mes parents sont morts, Rick a dû pratiquement remplacer mon père. Je croyais que ça me manquerait d'avoir un frère, mais je t'avais, toi. Finn, ouvre-moi cette porte. Oh putain, le réflexe. Finir par lâcher. Vas-y, je m'en sortirai, sauf mais toi. Remets de la toile. Si tu veux pas que ça craque, remets de la toile. Oh putain, ok, ça y est. Ces types avec des lumières sur leur casque ont des capteurs de chaleur. Ouais, génial. Ils peuvent te voir quand tu te rends invisible. Je me demande combien de budget ils consacrent. Ils avaient tout prévu, ouais. Probablement des millions de dollars défiscalisés. Va faire le ménage. Je désactive la sécurité qu'on puisse sortir. J'ai encore accès aux machines si tu veux que je déplace quelque chose. Son mec gusto. Ok, déjà lui, avec son casque, il nous emmerdera plus. Ça va, toi? Ouais, tes toiles retiennent la porte. Mais toute la base est en alerte, alors fais gaffe. Ok, ce qu'on peut faire, les amis, on va mettre... petite mine par là. Hop là. Merde. Ça, c'était là. J'appelle les renforts. Je peux faire un max de bruit, maintenant. Oh merde. Putain, j'avais pas vu la mine. Wow. Quelque chaos.
Wow, wow, wow. C'est trop de monde. Moi ton bouclier toi. Ah, je peux pas aller l'attraper lui. Je te jure, je t'écouterai vraiment. Ma décision est prise, Mike. Faut que tu l'acceptes dès maintenant. Ok, il en reste deux, alors, trois. Je serai obligé de t'arrêter. Faut que tu l'acceptes dès maintenant. J'y suis. Retrouve-moi dans la salle d'expo au bout de la chaîne de montage. A tout de suite. Ok, ce qu'on va faire... Hop là. Aïe hop. Entoilé. Tu viens ? Ils ont verrouillé les portes, on dirait. Elle est où la meuf ? Un autre moyen. Ok. Si on prévenait les médias de la mort de Rick. T'as des preuves ? Parce que je doute que les gens se. Petit écart, enfin grand écart américain pour un moyen. Sortir. Là, on est quand même bien par rapport à Assassin's Creed Valhalla. Y'a pas à chier. Hein. Ça doit être la sortie. Hé hey. C'est à toi ? Merci. Je connais cet endroit. C'est le labo de Krieger. Krieger a un labo ? Ouais, mais juste pour faire genre. Rick m'a montré une photo un jour. Le labo de Krieger. Ouais, c'est comme ceux qui ont des super grosses voitures, c'est pour faire genre. J'ai Donc compris. Les données du projet Nuform sont là. Rapport de toxicité, test de sécurité raté, et le nom de Krieger est partout. Avec ça, on peut détruire Roxxon. Ah. Ouais, Rhino. Deuxième round. Ok. Ma nouvelle couleur. Pas trop, non. Prof de tes petits zip zap zop. Zap zop. J'aime pas trop ta nouvelle couleur. Maintenant, finis son temps. GG le bouclier. Oh putain, y'a plein d'ennemis. On va faire un demi-tour. Je dois l'orienter vers ses tanks. Ok, d'accord. Ça abîme son armure. Wow. La petite piqûre ne peut pas traverser ma tête. Ok, je peux plus le... Je peux pas l'avoir cette fois. Comment je fais pour lui monter dessus lui ?
Wow. Ok, comment je fais pour lui monter dessus? Il n'y a rien senti du tout. J'ai des prières, Spider-Man. Et je peux pas lui monter dessus? Ah, il faut qu'il me charge devant un tank. Ah ouais, c'est pas bête ça. Il faut qu'on brise son armure. Ok, d'accord. C'est pas bête du tout. Moi je pensais qu'il fallait que je fonce. Que je fonce dessus. Oh, ok, j'ai pris cher. Mais moi j'ai besoin de te mettre à terre qu'une seule fois. Maintiens-le au sol. Solide la nouvelle armure. Ils font mal quand même. On peut le détruire. Continue. Vous espérez vraiment gagner Nice. Microbe. Tant mieux. L'espoir rend la défaite encore plus écrasante. C'est un peu prétentieux pour quelqu'un qui vient de se manger un tank. Diplo, ne lâche rien surtout. Ah, je voulais l'exécuter. Merde. Ouais, t'as dépensé sans compter. C'est très bien. Ouais. Je suis très fier de toi. C'est qui ce Rhino en fait? Je sais même pas qui c'est. Oh putain, s'il va faire, s'il fait. Oh non, il leur fait pas. Peut-être que si je charge le moteur. Attends, laisse-le. Oh, tu n'avais pas prévu les moteurs explosifs. On conçu ton armure. Toi, laisse là-haut. Une bonne fois pour toutes. Ok, d'accord. Je vais pas le tuer non plus. C'est pas comme ça que ça marche. Ok, on va mettre un Mais petit peu d'holodrone. Vous allez perdre. Réflexe. Mon armure high-tech a l'air un peu cassée, Rhino. Tu vas me lâcher maintenant. Ça avance. Mon armure sacrifie. C'est que des blessures. Alors, pourquoi est-ce qu'on il fait chier lui. Putain, j'arrive pas à... Ok, il y a un pattern de 3 coups. Merde. Roxxon ne vous laissera jamais partir. Oh, tu commences un peu à m'emmerder. Mon armure se désintègre. Voilà. Ah, dans le... Hop là, tu lui attaches les couilles. Et c'est bon. L'armure de Roxxon est désactivée. Vas-y. Go. On frappe tout ce qu'on peut, c'est pas ta mère, frappe. Ok. T'es prêt pour mes cibles, Absorb? Tu m'énerves. Wow, attends. Ça fait beaucoup de monde au mètre carré là. La boue est dissipée, c'est ma meilleure arme. Il est dans les coffres, on le tient presque.
Putain, je vois pas arriver ce con. Ok, c'était pas lui que je voulais faire ça. Voilà. Ça, c'est de la baston. Surveille-le quelques instants. Je reviens tout de suite. On est loin des Vikings, là. Les données de Krieger vont. Oh, un petit trophée bulldozer atomique. Trophée lié à l'histoire, je pense. Krieger m'a dit comment ton frère était mort. Très amusant. La ferme. Est-ce qu'il l'a découvert, Rem? Il m'a dit aussi. Si tu veux le voir, tu regardes l'épisode numéro... alors c'est le 1 ou 2. 1 ou 2, je ne me rappelle plus. Krieger a modifié le réacteur. Il a essayé de le surcharger. Il voit juste son visage et il dit « Oh, ok, c'est toi. Si » D'accord. Fait ce qu'il avait prévu. C'est pas vrai. Harlem. Tu l'as regardé mourir. Sans rien faire. Non, non, non. Va en enfer. J'ai réussi à battre Rino, je peux battre elle quand même, non? Tu m'as combattu le pont! T'as détruit mon labo! Tu m'as fait kidnapper! Là, elle est vénère contre moi par contre. C'est la merde. Vide le réacteur! Tu m'approches encore! Hé, hey, Granola, salut, comment vas-tu? Ça fait plaisir de te revoir, ma petite Granola. Mais. Tu nous avais manqué, tu sais. On est une famille! Ma famille est morte. Je suis très content de te revoir, Grano. J'espère que toute ta petite famille va bien. Bon, bah, il y en a un, je le vois tous les jours, donc je sais qu'il va bien. Tu es un petit peu malade? Ouais, j'espère rien de grave, Grano. Le petit Aiden va bien? Je vais aller chercher une serviette et des antibiotiques. Ok. Miles? Où tu étais? Bello che passo! Ah, il sait que je suis Spider-Man! C'est quoi ça? Il faut que je te dise quelque chose. Un petit rhume? Ça va. Il fait pas ses nuits? Ah, ça c'est le problème au début, hein, Grano. Enfin, tous ceux que je connais, c'est toujours comme ça. Ouais. Tu peux avoir de la chance, mais c'est très très peu de personnes qui ont de la chance qu'ils fassent ces nuits. Tu poursuivais à travers la ville déguisée en Spider-Man. Oui maman, c'est moi, Spider-Man. J'aurais pu mourir. Je n'en reviens pas. Pourquoi tu ne m'as jamais parlé de tout ça? On a toujours parlé de comment te protéger. Mais ça... Je voulais pas t'inquiéter. L'autre Spider-Man est parti, et moi, j'ai fait qu'empirer les choses. J'ai fini par te décevoir. Miles. Quoi que tu fasses, ou qui que tu sois, rien ne pourra jamais m'empêcher de t'aimer. Un enfant ne déçoit jamais, ça. Nada. Tu me rends plus forte, Miles. Pour moi, c'est ça un vrai héros. En tout cas, chez Marvel. Quelqu'un qui se bat pour les gens qu'il aime. Quelqu'un qui n'abandonne pas. Il y en a qui ont réussi. Hein. Gloria, bah bien sûr. S'occupe du fist. Et Théo nous aide pour le porte-à-porte. C'est parfait. On peut commencer l'évacuation. Je te retrouve dehors. Ça, c'est mon petit geek préféré. Chaque jour, tu me rappelles un peu plus ton un père. Un petit geek chinois, hein, c'est normal. Fais attention à toi. Promis. Ça va, elle le prend bien que je suis Spider-Man en fait. C'est une bonne nouvelle du moins pour elle, elle sait qu'elle est protégée quoi.
Miles, je vais dire aux gens de Harlem qu'il faut évacuer, puis je ferai du porte-à-porte avec ta mère. Ok, cool. Je tenais à te dire merci. Ah oui, bien sûr, moi. C'est normal. Hey, j'ai besoin d'un service avant que tu partes. Ce que tu veux. Je veux recouper les activités de l'Underground avec les immeubles où on peut stocker d'uniforme. Tu pourrais pirater les tours de surveillance d'Oscorp ou... C'est fait. Faudra du temps pour affiner la recherche. Non putain, il a fait ça en une seconde, le type. Merci. Tu veux pas me monter un PC gaming, toi ? Je vais me dégourdir un peu les jambes et y aller. Moi, si vous avez besoin d'un PC gaming, j'ai un pote, hein. Chinois, mais... Un pote. En plus, il peut nous avoir des pièces pour pas trop cher, vous voyez, donc... Moi, je dis ça, c'est pour vous, hein. Si vous voulez un petit PC gaming... qui bombarde. Putain, on a pris du level. Niveau 15, 16. Un point de compétence. Ok. Je devrais jeter un œil à l'appli en attendant. 5% de dégâts, ennemis paralysés. Ça fait plaisir. Perso, je suis déjà bien équipé. Ok. Oh, si jamais t'as besoin, tu sais qui contacter, hein, Rem. Barricadez-vous, les amis. Alors, du coup. Attendu, tempête du siècle arrive. On a une nouvelle tenue ou quoi? Il va y avoir un vent à décorner les cocus. Assurez-vous d'avoir suffisamment de provisions. Décorner les cocus. Mes fidèles auditeurs auront déjà fait le plein de Jameson Bacon, qui dure plus longtemps que des retombées radioactives. Dans un nice, on peut changer de tenue. Oh, on a si même une nouvelle. Si vous aviez prévu de faire découvrir Trinity celle-là, à vos parents, ouais, pas mal. J'ai une mauvaise nouvelle. Ça, c'est cool, ça. Certaines parties de cet édifice emblématique ont été réduites en miettes. Alors, lors gadget, d'un énième qu'est-ce que j'ai eu? Holodrone, puits gravitationnel. Créer un puits de gravité. Roxxon a rapidement pu sécuriser la zone. À l'heure qu'il est, on a perdu la trace des deux menaces masquées. Mais le plus important pour l'instant, c'est que Roxxon a généreusement offert de financer toute la restauration de l'église. Même s'ils n'ont absolument rien à voir avec l'incident. Voilà. Voilà exactement le genre. Ah, mais attends, j'avais pas vu que je pouvais améliorer ça, moi. En cette période de l'année. Roxxon est maintenant sur ma liste des enfants sages. Je vous laisse deviner les noms qui figurent sur ma liste de méchants. Ils commencent tous par Spider et finissent par Man. Ok, on va augmenter les... Oh, quoique non. On va essayer de s'augmenter tout ce qu'on peut... sans utiliser de trucs high-tech pour l'instant. Merde, je crois que j'ai utilisé comme un con. Oh, j'ai utilisé ma pièce high-tech. Putain, merde. Ouais, c'est pas grave. Ok, tant pis. Mon nouveau PC date de juin dernier, donc ça va. Puis avant de le changer, il y a le temps. Ouais. Mais ça va très vite, les PC. Hein. Pouf. Les attaques murales paralysent les ennemis à l'impact délai de réutilisation de 5 secondes. Ouais, ça c'est quoi? Appuyez sur L3, R3. En mode camouflage. Ouais. Ah merde, j'avais ça, j'avais pas vu. Ok, d'accord. Alors, on va enlever ce qu'il y a dans la collection. Qu'est-ce qu'on a? On avait juste ça. Nickel. Mon ancien a 10 ans, donc maintenant, ça s'est bien calmé. Ah bah ça va, enfin 10 ans, c'est quand même... c'est pas mal déjà. Alors, du coup, on n'a pas de mission principale encore qui est activée. Donc, du coup, on va faire une petite mission... Ok, ça on a tout fait. On va faire un petit crime alors. Des prisonniers en fuite ont pris des otages dans un magasin. Je dois y aller. Eh, ça m'a pas changé ma tenue. Merde. Comment ça, ça m'a pas changé ma tenue? Moi je veux ma nouvelle tenue là. Achat impossible. Ah merde, j'ai utilisé ma pièce high-tech. Oh non. Holy shit, man. Ok, bah du coup on va changer. On va mettre celle-là. Je suis Power Rangers maintenant. C'est parti. Il se passe un truc dans ce magasin. Ok, c'est par là. On dirait un et puis un PC à 1600€, ça tient un bon moment avant d'être changé. Et puis un petit match de carte graphique. Ah ouais, quand même, 1600 boules, je pense qu'il y a moyen d'avoir une belle bête, hein. Comme dirait l'autre. Ça finit
finira mal seulement si t'essaies d'appeler à l'aide. Tu piges ? Oui. N'approche pas ! On a des otages ! Rino sera pas là pour vous protéger cette fois, les copains. Tu vas cracher tes noms ! Ça va faire mal. Hop là, toi je te passe derrière. Personne ne me remettra en cage. Pas sûr ça, frérot. Fini. Voilà. Il en reste combien des prisonniers en cabane? Et puis avec trois écrans et autres, j'ai une bonne. Oh putain, t'as trois écrans. Voilà. Je sais pas si j'arriverai moi à m'en sortir avec trois écrans, j'aurais jamais regardé. Grâce à vous, je vais pouvoir revoir ma famille. Merci. Faut que je file avant que la police arrive. Sinon, ils vont me refaire une leçon de morale. Après, quand t'as l'habitude, je pense, c'est... Ouais, comme tu dis, c'est facile. Mais quand t'as pas l'habitude, je pense que ça doit être compliqué. L'appli signale un cambriolage. Je dois faire vite. Ok, du coup, on va au petit cambriolage. Alors, il y a peut-être d'autres choses qu'il faut que je fasse pour lancer, enfin pour pouvoir débloquer la mission principale, mais je sais pas trop quoi encore. Grâce à ça, je peux suivre le stream et bosser aussi. Bah ouais, en fait, vu que t'as plusieurs... Mais ça doit être une belle bête quand même pour pouvoir suivre un stream, ouvrir des logiciels, je pense, pour bosser à côté. Ça doit être un... Il doit envoyer quand même la sauce, ton truc. Hey, j'ai trouvé la cachette de Finn, le forum des sciences Oscorp. Fermé pour rénovation. Le convertisseur d'énergie avec lequel on a gagné l'expo science à l'école. Ah ouais, je pense que tu veux me faire baver, c'est ça, même. Une forme instable et faire sauter Roxxon Plaza. Ouah, on dirait presque qu'elle a fait exprès pour se venger de toi. C'est peut-être le cas. Merci, Ganki. C'est normal. Bon. Ok, c'est bon, ça nous a débloqué la mission. A plus. Ok. Tu vois, j'aurais pas été un joueur console, j'aurais toujours joué PC. Je pense que j'aurais un PC à la place d'une console maintenant. Et si elle m'écoute pas ? Je volerai le Nuforme. Je le détruirai s'il le faut. Ok, c'est parti. C'est parti, mon kiki. Merde, ah, j'ai loupé mon... J'ai loupé ce que je voulais faire. Je voulais faire la roulade, repartir, mais... Ça n'a pas marché. Oh putain, je me suis fait tirer dessus. Oh, la tristesse. Alors, water cooling, ça tu m'avais dit. Asus ROG Strix, processeur Intel Core i7 9700K, 3,6 GHz. Ah, déjà, c'est déjà énorme. Une GeForce GTX 1160, 16 Go de RAM. Ouais, c'est des bonnes bêtes, hein. Je peux pas te laisser y retourner. Les Krieger et Tinkerer s'entretuer. Tu reprendras du. Ouais, c'est quoi cette barrière qui m'a mis là passées. Les savonnettes. Et quoi? Tu veux que je me planque? Je suis pas Spider-Man juste quand ça m'arrange. Je dois arrêter Finn. Non, tu dois vivre.
J'essaie de te le faire comprendre, mais tu n'écouteras rien. Si tu t'inquiètes autant pour moi, pourquoi tu m'as balancé à Krieger ? Je t'ai pas balancé. Ouais. Il est bizarre ce costume. Sérieux. Mais il est sympa. T'étais pas censé t'emmener. Krieger me l'avait promis. Tu veux refaire partie de la famille ? Et t'as rien trouvé de mieux à faire ? Je t'ai sauvé la vie. Tu m'as enfermé. Pour ta protection. C'est comme ça que tu me protèges ? Bon sang, Miles ! Je veux pas te perdre aussi. Et moi, je veux pas laisser des gens mourir juste pour sauver ma peau. Tu m'as sous-estimé. Ok, baston avec le tonton. N'essaie pas de lutter. J'ai pas envie. Mais je peux pas rester dans vous. Alors je ferai ce que j'ai à faire pour te protéger. Son camouflage. Oh putain. C'est toi qui as peur. Quand est-ce que tu vas comprendre que je suis obligé de me battre pour cette ville? Et toi, quand est-ce que tu vas comprendre que tu pourras pas le faire si t'es mort? Contrer tous mes trucs. Si mon père nous voyait maintenant, il aurait compris que j'essayais de te protéger. Nice. Tu comprends pas. Je suis le seul à vouloir te sauver. Et moi, je veux sauver tous les autres. Oh, Catwoman! Catwoman poison. On va finir cette petite mission aujourd'hui, pour aujourd'hui, les amis. Ce sera déjà pas mal. Oh, j'avais pas eu le temps d'esquiver. Faut que j'essaie. Ok, je suis allé pile dans le piège. Il a appris à penser aux autres avant de penser à moi. Il est où? Je comprends pas comment faire ça. C'est la jungle. On peut changer ça. Ah, j'ai loupé mon coup. Ok. T'es à côté de la plaque. Tu quittes toujours facile pour toi, jamais pour les autres. C'est peut-être pour ça que je suis encore en vie. Va-t'en. Bien joué. J'ai pas eu le temps de l'esquive, là. Ok, faut pas. Ok. Voilà. Hop là. Ah, merde. On m'a dit plein de fois ça. Ne parle pas de lui. J'ai battu tout le monde jusqu'à maintenant. Oh, t'es quoi ça? Encore des gadgets de tes copains sur Oxon. Moi je m'adapte. Toi tu t'essouffles. Tu es trop naïf, petit. Tu n'es qu'un gamin qui aspire Spider-Man. Non. Je suis le gamin qui inspire les autres maintenant. Il est où? Yeah.
jamais voulu accepter que je sois Spider-Man. Que je dois prendre des risques. Ah, il m'en sort combien le frérot? Gigi. Maës, je t'en prie, ne fais pas ça. Ne va pas gâcher ta vie. Il est où? Il est où? Fais ce que je dois faire. Comme toi. Oh. Ah. Dans les pouvoirs, qu'est-ce qui te reste? Je peux pas bien esquiver ces petites grenades là. C'est pas à toi de risquer ta vie contre l'Underground. Laisse tomber. Bâtard. Gentil et méchant utilisait ne serait-ce que 1% de leur savoir et de leur techno pour les autres, il n'y aurait plus de problèmes mondiaux dans les univers Spider-Man. J'avoue. C'est vrai. Je sais que j'ai merdé. J'étais déçu. C'est un petit moule bite, c'est sympa. Mais on est une famille. Une famille? Ça t'a pas empêché de me mentir, de me manipuler, de me combattre? Être une famille, ça suffit plus. Je veux pas que ça petit se termine trophée, comme ça. Petit trophée, tragédie familiale. Qu'on devienne ennemi. Toi et moi. C'est déjà ce qui est arrivé avec ton père. Je veux pas que ça recommence. Moi non plus. Mais je serai jamais celui que tu veux que je sois. Je peux pas laisser tomber les gens qui ont besoin de moi. Je t'ai battu, tonton. Je dois être meilleur que ça. C'est l'effet de ma nouvelle tenue, ça. Petit niveau 17, un point de compétence. On va se mettre ça avant de quitter, les amis. Tranquille. Dandy, mon oncle vient de me kidnapper. Il m'a enfermé. Hein? Quoique non, on peut continuer encore un peu. T'as rien? J'ai dû me battre contre lui. Et à la fin, je lui ai dit que je voulais plus le voir, plus jamais. Je suis désolé. Ça a pas dû être facile. Il m'a pas laissé le choix. Je me dirige vers le Forum des Sciences. Appelle-moi si ça chauffe à Harlem. Ça marche. Bonne chance, Spider-Man. Ok, on se met juste les petits points. Compétences. Du coup, ça, non, en éliminant les ennemis. Ouais. Ça, c'est en nouvelle partie plus. Je sais pas quoi me mettre, honnêtement. Qu'est-ce que je me mets? Au final. Je sais pas quoi prendre. Ok, on va jouer avec ça. Ah, et du coup, on va finir. On va continuer encore un peu. On va peut-être essayer de finir cette mission. Enfin, elle est finie, mais. Eh, ça chauffe entre Roxxon et l'Underground. Démarquez l'endroit. Ok, le crime, on le verra plus tard. On va reprendre les petites toiles. Allez, Finn. Ici Finn, laissez votre message. Écoutez sur moi. Alors, c'est votre dernière chance de procéder à des améliorations à la conclusion de l'histoire. Ah. Ok, c'est déjà la conclusion de l'histoire. Ouais, bah allez, go. Tant pis, hein. Le musée a fermé pour rénovation et l'Underground s'est appelé l'Incruste. Finn doit être à l'intérieur.
Ok, donc c'est là-dedans que ça se passe la fin du jeu. Ah, c'est très court quand même le jeu, je trouve. Enfin, ouais, il est plutôt court. Tu sais pas où je suis, maintenant tu sais où je suis. Ouch! Ok, c'est où? Oh! Salut toi! Non, sors. Oh, ils vont tous se ramener ici. Oh, bien joué, il a esquivé mon coup. Oh, bien joué. Ah, ils sont chauds, ils arrivent à esquiver les coups. Un petit peu de vie. Enfin, j'ai un viseur qui est en permanence sur ma gueule. C'est assez chiant. Je sais pas que c'est qui me tire dessus comme ça en permanence là, mais. Je sais pas si c'est toi. Petit bâtard. Hop là, coup de pied rotatif dans la jugulaire. Ok, on va tenter un truc. Allez, hop là. Oh, petit bâtard. Allez hop, dans l'eau. Ok, il en reste encore, on a tout okay. Nettoyé. Non, tout nettoyé. Quel genre de sécurité vous avez? Nickel. C'est le même genre de barrière qu'au James Theater. Ah ouais, putain, merde. Ok, on va essayer de niquer les gènes. Qui sont verrouillés. Et hors tension. Alors, du coup. Une nouvelle source d'énergie. Il me faut de l'énergie. Un géant qui tourne, par exemple. Trop loin pour mes toiles. Il y a un truc. Il y a un truc ici que je peux relier, mais je peux le relier à quoi? Ok, je peux le relier à ça, non? Ça ira. Non? Si? Non? Non, ok. Ça a pas l'air de marcher. C'est pas aligné. Alors pourquoi ça veut pas marcher? Pourtant, je pense que c'est ça. Hein. Moi, peut-être que je mette celui-là en premier. Mais non, regarde là, c'est pas bon. Il y a le bout du mur qui bloque. What the fuck? Ah, mais attends, faut peut-être que je le bloque le truc. Attends. Non. Ah, j'ai pas tout compris. À moins que ce soit pas lui, hein. Ah, c'est peut-être pas lui, hein.
C'est peut-être... Merde. C'est peut-être celui-là, du coup. Merde. Si. Non, je peux toujours pas. Oh. C'est... Bah, c'est lui, alors. Voilà. C'est peut-être lui. Ok. C'est celui-là. Gagné. C'était le dernier, bien sûr, j'ai qu'on m'emmerdait, c'était le dernier. Ok, et 2-1. Ça fait du bien. Alors du coup, celui-là. Est-ce que je peux le relier aussi à celui-là? C'est sûr, ça va marcher. Yes. C'est good aussi. Et 2-2. Ça marche. Donc il y en a un autre là-bas. Encore deux. Et le dernier, je sais pas trop où il est pour l'instant. Où est-ce qu'il est le dernier? Je sais pas. On va voir où est-ce qu'il est. Alors celui-là, normalement, je peux le péter ici. Ça a ouvert quoi là? Ok, d'accord. Et là, à ici. Voilà. Ouais. Parfait. Et 2-3. Je ne reviens pas que ça marche aussi bien. Ok, l'autre, il est de l'autre côté. Il est ici. Alors, celui-là. Il faut que je trouve où sont les petits relais. Toi, dégage. Ok. Et voilà. C'est parfait. C'est quoi le pouvoir de Miles dans l'histoire? Bah, c'est ça. C'est la bioélectricité. C'est le nouveau pouvoir. Parce que dans le premier Spider-Man, bah, on a que l'étoile, hein, normal. Et là, en fait, on a la bioélectricité. Super. J'ai hâte de casser les jouets de l'Underground. Bon coup de poing dans la barrière, en mode électrique. Ah merde, fuck, c'est comme ça. Voilà. Au moins il est au courant. Ah, elle est pas mal celle-là. Mais on peut dire ça, oui. Il est au courant. T'es là ? Alors, où est-ce qu'on va ? Ok, par là. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Une cachette de l'Underground ? Nice, merci. Oh, une pièce high-tech. Je pense qu'elle doit être un peu plus loin. Cool. Elle doit être un peu plus loin. Vite ! Allez, faut en finir. C'est entre toi et moi. Me and you, you and me. Elle doit être avec notre projet, au bout du couloir. Alors, trouver Finn. Ok, à mon avis, c'est une zone de bataille ici, hein. Ça se sent clairement. Je pense. C'est bien parce que quand vous changez de tenue, en fait, même pendant les cinématiques, il garde la tenue que vous lui avez portée. Allez, le mollasson. Ça c'est cool, je trouve, dans les jeux. Avant qu'on meure de vieillesse. Ça va, j'arrive. Hé, ils nous ont mis où? J'ai le plan du musée sur mon téléphone. Notre projet est dans une expo temporaire en haut. Ah, j'ai hâte de voir nos noms sur la plaquette comme des vrais scientifiques. Aujourd'hui, le forum des sciences Oscorp. Demain, tous les plus grands musées du monde entier. Et vous vous dites que cette crevette là, c'est quand même Spider-Man. Les fermes d'algues sont essentielles pour une vie saine et durable au fond des océans. De nombreux produits. Je me demande quel goût ça a, les algues. Ça doit être comme lequel? Oh, je déteste le chou.
C'est quoi ça? Attends. Moi, je peux pas examiner. Ce scaphandre est l'un des premiers développés au début du 18e. Meuf, tu me bloques. La première tenue de plongée résistant à la pression a été mise au point. Tu crois qu'il me laisserait l'essayer? J'adorerais te voir. Merde, elle est partie où la meuf? Je sais pas où elle est partie. Ça peut pas être pire que tes chaussures au bal du printemps. Oh, ça va. Les tiennes avaient plus de talons que les miennes. L'expo temporaire est en haut. Voilà l'ascenseur. On a le temps de regarder le reste d'abord. Vous avez vos entrées pour l'expo temporaire? Oh, notre projet est exposé. J'ai pas de ticket. Des entrées? Eh bien si, et c'est complet. Donc je ne peux pas vous laisser monter. Ah, merci dommage. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va rentrer? Bon, faut qu'on trouve un autre moyen d'entrer. T'inquiète. Elle a dit que tout était vendu. Ouais, mais tu vois, c'est j'ai ma petite idée. Le couloir derrière. Verrier. Ah bah non. Quoi je que... reconnais ce genre de serrure. Si on éclaire à l'intérieur, ça s'ouvre direct. Les flashs de nos téléphones, ça marcherait. Mais ça porte pas assez. Ça marchera si on arrive à glisser un truc réfléchissant sous la porte. Un truc réfléchissant. Et polymorphe, ce serait l'idéal. Polymorphe? Tu veux dire qu'il change de forme? Genre ça, alors, comme ça, on se met à utiliser des mots compliqués. Trouver des objets pouvant servir à déverrouiller la porte. Bah ouais, bah ça. Oh, regarde! Des miroirs solaires. Et ah, voilà. Ils sont autocollants. Parfait. Génial. Pour tromper un verrou sensible à la lumière. Il nous faut un truc qu'on puisse glisser sous la porte. Oh merde. Un truc long et plat. Qui peut faire les deux? J'ai vu un présentoir avec de l'alliage près de l'entrée. Long et plat. On pourrait peut-être le prendre. Vers l'entrée. Le présentoir près de l'aquarium. Sur le métal multiforme. On devrait regarder ça. Attends. C'est où l'aquarium? C'est où le multiforme là? Ok, c'est là. Un alliage à mémoire de forme. Je peux le modeler sur l'appli du musée. Oh putain, il faut faire un cube. Non, il faut faire quoi? C'est dingue ce truc. Tu crois que c'est de la métamatière? Ça y est, prends-le. Faut pas qu'on se fasse griller. C'est bon, on y va. D'accord, tout le monde nous regarde, mais vas-y. Désolé. Pas de soucis. Oh, vous avez vu qui c'est? Je vais mettre l'autocollant. On a une porte à ouvrir. Ah, vous avez vu qui c'est, lui? Vu que les outils externes communiquent directement avec c'est le... de commande, c'est pas le docteur Octopus? Octavius, pardon. Ça surchargerait la ligne centrale. Pas si on l'intègre. Putain, François Hollande. Le retour de François Hollande. Nice. Il m'avait manqué. Du siècle, soit un ratage total. Il m'avait manqué, lui. J'ai la lumière. Non, j'ai pas eu le temps de voir, j'ai pas lu. J'ai pas vu ce qui était écrit. Personne nous regarde pour l'instant. On doit faire vite. Oh, facile. Eh non, on peut cambrioler la Banque de France. Hein. Lampe torche. Attends. Faisons autrement. On n'a plus qu'à recommencer. Ah bah attends, faut que je trouve le bon... Je sais pas dans quel sens il est le laser en fait. Ok, le laser il est là. Attends. Voilà. On a réussi, ça a marché. Allez, notre projet nous attend. Et on a fait ça en moins de 2 minutes, les amis, donc normalement pour la banque on est bon. C'était génial. Ah, oh, ça va me manquer de faire. C'est Octavius ou Octopus? Pourquoi j'ai dit Octopus moi? C'est pas Docteur Octopus? Bah, toi, non, c'est Octavius. Pourquoi je dis Octopus? Pas je sais pas. Je vais pas m'envoler. J'ai Octopus qui me vient en tête, mais pourquoi? On se verra encore. Tu seras occupé. Pas tant que ça. Je trouverai du temps pour nous deux. Ah oui, c'est non, ça. C'est Octopus son nom. Ok, bon, donc allez. J'ai pas dit de conneries. On va quand même pas se mettre. Il y a bien un octopus qui existe. Allez, viens. On monte. Ah merde, c'est ma mère. Salut.
Salut, pa. Ah non, merde. Salut, monsieur Davis. Eh oui, meuf, on t'inquiète. Eh oui. Vous amusez bien ? On a trouvé des tickets. Vous penserez à prendre votre projet en photo ? Papa, c'est pas important. Tu rigoles, c'est super important. Ok, ok, on prendra une photo. Bisous, papa. Ciao. On y arrive. Notre projet est tout au fond. Tu crois qu'ils ont installé notre convertisseur ? C'est un peu le but, alors, non ? Du coup... Par contre, il faut qu'ils intègrent de la biomasse. En lui donnant une poubelle, par exemple. C'est lors du programme spatial Apollo que l'humanité a signé l'une de ses plus grandes prouesses, poser le pied sur la Lune. Depuis, les scientifiques rêvent... Ok, c'est le satellite qui est allé... Enfin... Enfin, satellite, mais un espèce de drone, on va dire, pour simplifier, qui s'est posé sur la Lune. Ça sonnerait bien pour notre capsule temporelle. Il y a combien de missions Apollo en tout ? Il y en a eu 16 ou 17, je crois. Il y a eu autant d'Apollo que ça, 16-17 ? Oh, 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 wow. Je me rappelle d'Apollo 11, mais regarde-moi après... Regarde-moi ça. Je sais plus. Si jeunes et déjà des scientifiques primés. Il y a personne qui nous a dit qu'on était dans l'expo spéciale. L'entrée est payante. Comment t'es entré ? Oh, les stylés sont plus là, Miles. Comment vous êtes entré ? C'est pas important. Eh, hey, venez là. On va prendre une photo. Attends, faut que tu sois dessus. Tu nous as aidé à le finir. Ok, ok, je viens, je viens. Poussez-vous. Voilà. Dites diploïde ! Diploïde ! Je refuse de dire ça. Ah, elle est pas cool. Pourtant, c'est facile à dire. Moi, d'habitude, sur les photos, à la place de Wistiti, je dis souvent Sarkozy, il a un petit zizi. Finn, il faut que tu saches. J'en ai marre de t'écouter. Ah, mais elle est aimantée de partout. Ah. Oh non ! Le bourreau ! Le bourreau ! Il faut que je lui dise pour le réacteur ! Ok, on a eu un trophée passé partagé. Ok, il a... Toi, tu vas me spam en permanence ou ça se pose comment ? Non, c'était pas sur toi que je voulais utiliser. Ok, lui, je vais pas pouvoir le brain comme ça. Ok, on va s'occuper des petits en premier. Et après, on s'occupera du gros. Ok. Ah! Oh, j'ai pas pu esquive, ça a pas marché. Oh non, pas ça! Oh non! Mais je veux monter, moi. Ah, merci. Ils sont tellement rapides avec leur espèce de bot là. Je dois m'occuper.
Oh bâtard. Cristiano Ronaldo. Ok, il reste des soldats ou pas? Oh putain, il y a encore un gros avec un marteau. Ok, on va essayer de lui faire tomber ça sur la gueule. Allez hop là. Comme ça, lui, on s'en débarrasse très rapidement. Ok, il en reste quelques-uns. Putain, le bâtard de merde. Non. Hop là, petit passement de jambe à la Lionel Messi. Loupé. Je vais te toiler, toi. Je dois aller à Harlem. Voilà. Avant que Finn ne détruise le réacteur. Ah, c'est toujours comme ça. Quand on arrive dans une petite zone, hop, direct, ça vient zone de combat. Par contre, comment je suis arrivé là-dessous, moi? Ok, par là. Ganki répond. Comment ça se passe, l'évacuation? Ok, niveau supérieur, 18. Mal. Roxanne et l'Underground ont tout envahi. Un point de compétence. T'es en sécurité? Et ma mère? On s'est enfermé. Dizaines de personnes, mais on est au protège. Je t'entends mal. Ah, je capte plus rien, frérot. Si tu m'entends encore, je suis en route. Tenez bon, s'il vous plaît. On arrive. Mais quand, je sais pas, mais on arrive. J'espère que j'ai fait un stock de toile parce que il y a longtemps que j'ai pas rechargé les toiles là. Ok. Ganki. C'est stylé, on dirait le masque des Daft Punk. Ganki. On est un nouveau Daft Punk. Tenez bon. J'arrive. Quel aïe n'a rien. Il est résistant, lui. Ça tire où, là? Il reste collé au sol, toi. Voilà. Tu restes collé ici. Et où est-ce qu'il me tire dessus? Ah, mais ok, il est là. D'accord. Pas la fouette et le salon de coiffure, on est ok. Mais je dois repousser les affrontements. Camilla, vous êtes avec Kalad? Vous allez bien? Attention, frisbee! On est avec Gloria. Ça prendra pas la même ampleur. Je les laisserai pas faire. Restez à l'abri le temps de quitter la rue. Wow.
Il y a beaucoup de monde d'un coup là. Il y a tous les ennemis là. Non, non. Toi, tu me touches pas. Il y a du monde sur les toits. Ça se bat vraiment partout. Oh, mais il y en a partout, des gens. Attends, je peux pas monter, là? Ok, là, je peux. Aïe. Aïe, 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 aïe. Il tire partout. Oh putain. Allez, va faire un tour en bas toi. Et toi aussi. Allez hop. Putain mais en fait y a... j'ai deux ennemis contre moi là, c'est un peu compliqué. Hein. Oh la patate de forain là. Non, je vais juste monter moi, ok. Gloria, vous allez bien? Le fils est évacué? Hop là, ouais, dégage. Tout le monde a évacué, sauf toi on dirait. T'es où, Miles? Vers la 125ème. Je vais chercher ma mère. Je crois que le nouveau Spider-Man s'en occupe. Il en reste un peu... Okay. Sors de là. Putain, ils font que de bouger, eux. Je le laisse faire, alors. Prenez soin de vous, Gloria. Oui, toi aussi. Ok. Oh non, c'est notre immeuble. Faut surtout pas qu'il crame. Merde. Ils sont à Théos Bodega. C'est pas loin. Mais il faut que je m'occupe de Roxxon et de l'Underground pour sécuriser les rues. Mais y'en a de partout! Allez hop, dégage! Loupé! BAM! Les toits sont dégagés! Faites pas les rues! Oh putain! Attends, il reste encore des ennemis là. Ok, il y a des ennemis en bas. Ah, j'ai fait trop tôt! Fuck! Wow, wow, wow! Il y en a beaucoup! Ok, ok, je suis obligé de prendre des drones là parce que là. Ça devient chaud sa mère. Oh là là, elle est gros, ils sont putain de chiants. Oh putain. Là, c'est trop chaud, faut que je tape en même temps que j'esquive. Pas facile ça.
Twitter si je suis un faible. Et dire que je t'échauffe après. Oh putain, il fait chier lui. Il est trop lourd, je peux pas le porter. Il est trop lourd. Ouais, c'est Harlem aussi, Rem, ouais. Donkey. Il me semble que dans le premier Spider-Man, c'est Harlem aussi. Vous pouvez vous enfuir ? C'est qui ça ? Y a quelqu'un ? Putain, ça va super vite les combats, c'est ouf. Hey. Faut tout esquive. Il faut qu'on sorte de là. Mais je pourrais pas porter tout le monde. Elle a déjà commencé. Au moins, on peut dire que ça bouge hein, sur Spider-Man. Putain. Maman, attention. Je vais protéger ma mère. Ah, j'ai cru que c'était Hulk, mais non. C'était pas Hulk. Oh, j'ai un nouveau joujou, il peut me le prêter son truc. Ça one shot. Il a raison. Vas-y. On les fera évacuer. Je reviendrai. Je sais. I'll be back. Essayez toutes les portes. On ne laisse personne derrière. Moi, bon, la baston, ça va être contre elle, hein. Oh, dommage. Si ça passait, là. Tu sais pas ce que tu fais. Ils méritent ce qui va leur arriver. Non, le réacteur. Krieger l'a modifié. Tu vas pas seulement détruire Roxxon Plaza. Tu vas faire disparaître tout Harlem. J'en ai plus qu'assez d'entendre tes mensonges. Oui, 3-6. Il a quand même une grande résistance, Spider-Man. Très grande résistance au coup. Ça doit être l'effet araignée, ça. Les araignées, quand on les écrase, elles sont toujours vivantes. Je pense que c'est ça. Ce petit chromosome. Ah, là, le truc d'octopus, le petit crochet, là. Ok, on se bat sans costume. Ça me va. Round 1. Fight. On dirait trop un Tekken. Je peux pas te laisser m'arrêter. C'est en train de se jauger là. Ok, c'est parti. 1v1. Tu vois pas ce que le réacteur est en train de faire ? Oh putain la connasse. Oh elle m'a esquivé. Bien joué meuf. Ah non regarde ça t'occupe. Qui t'a dit ça? Trigger. J'ai fait des projections. Alors je sais pas comment j'esquive son truc là. Pourquoi tu veux pas m'écouter? Il n'aura pas pu modifier le réacteur. C'est pas assez malin. Tu te trompes. Putain, elle est rapide. Oh, petit coup de poing dans la gueule. Reviens à toi. La fille que je connaissais voulait protéger les gens. Mais putain, j'arrive pas à lui mettre ma bioélectricité. Elle. Elle est trop chaude la meuf. Hop là, je passe derrière toi. Ok, je peux rien lui mettre en fait en bioélectricité là, sinon je la one shot prêt je pense. Ok, coup de grâce prêt. Je t'en prie, Phil. Je dis la... Boum. Ouais, j'arrive à la niquer juste comme ça avec un petit coup là. Me battre. Oh là là. On discutera. Quand j'aurai désactivé le réacteur. Bon bah l'araignée 1, le bot 0. C'est rien, j'ai juste lâché une... j'ai lâché un gaz. C'est rien. Phil, regarde, le réacteur j'ai trop de cassoulet. Le niveau critique. On pourra bientôt plus l'arrêter. Non, je m'enfuirai pas cette fois.
t'es rapide, mais je suis rapide aussi. Hein. Si tu me coupes pas une jambe... Tu es la seule personne que j'aurais voulu avoir de mon côté. Je suis de ton côté. On peut faire tomber Roxanne avec ce qu'on sait sur le uniforme. Ça marchera bien pas. Joué. Tout le monde s'en fiche. Bien joué. Bien joué. Oh, connasse! Et pas peut-être parce que j'ai raison! Lâche-toi! Elle aime pas quand je passe derrière elle. On a trouvé le point faible. Oh! Putain, mais elle est super rapide cette meuf! J'ai pas le temps de recaler ma caméra en fait. Putain, connasse! Oh, elle m'a encore esquivé! Esquive! On verra ce qui se passe! Attends, attends, t'es où là? Ok. Voilà, tiens, patate. Hyper cute au menton. Ah non, ça c'est de la triche par contre. Enfin, quoique non, j'utilise la même chose, mais c'est sous forme de toile quoi. Ok, troisième round. Parfait. Je passais juste vous dire au cas où vous inquiéteriez. Il ne nous arrivera rien pour ce bâtiment. Ok, d'accord. En fait, tout Harlem pourrait être. Wow, c'est quoi ça? Est-ce que vous avez la moindre idée du genre d'assurance? Je parle même pas de l'éventualité d'une attaque terroriste. Oubliez Roxanne. Bientôt ce sera Roxanneville. Allez, à plus tard. Non! Je dois l'arrêter! Pas comme ça! Oh merde! Quel angle. Elle va pas me laisser m'approcher. Tu veux la vérité? Eh ben je vais te la dire. Vic détesterait ce que j'ai. La ferme. C'est quoi de ces mines? Comment tu bouges aussi rapidement? Comme ça. Je peux peut-être retourner cette tourelle contre elle. Oh là 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 là. Éméric aussi. Je vois pas où je suis. Elle est forte quand même, hein. Pour une meuf qui est pas de Marvel, elle est forte. Hein. Ouais, je suis en mauvaise posture. Fais gaffe à mon MP3, s'il te plaît. M'oblige pas à te tuer. Tu peux pas gagner. Pourquoi tu continues? Télévision. Rule the nation around the world. Ok, round 4. Wow. Ok, elle m'a lancé des scies. Bien joué. Wow, c'est rapide ça. Coup de grâce in your face baby. Hop là, petit passement de jambe. Hashtag gros bâtard. Merde. Waouh, c'est legit. Oh là.
coup de grâce. Kick in your face. Oh merde. C'est terminé, Miles. Les nouvelles Adidas en plus. Je sais. Waouh. Oh. Waouh. J'arrive. Bam. Non. J'en ai assez entendu. N'a jamais commencé. Wow. Wow. T'es dead, meuf. T'as aucune chance contre... Merde. Ok, toujours pas dead. Oh putain. Wow, wow, wow. Wow. Voilà. Yo the Rider. Salut, salut. Elle est chaud patate, la meuf. Elle en veut, hein, du combo. Là. Trophée obtenu, ça n'arrête pas. Nice. Petit trophée supplémentaire. Ah, c'était ma graffe... comment on dit, une graffeuse? Celles qui font des graffitis. Une graffeuse, non? Du tout. Je peux l'arrêter. Eh non, t'as plus de piles. Moi j'ai de la toile par contre. Qu'est-ce qu'on fait, Rem, quand il y a erreur système en informatique? Qu'est-ce qu'on fait? On fait un contrôle Alt Sup? Qu'est-ce qu'on fait? Aïe. Bobo la tête. On va y arriver. J'ai plus le temps. Oh merde. Oula, oula. Comment ça va, The Rider? La grande forme? Vas-y, tu peux y arriver, mon ami. Je crois en toi, Miles. Ça va exploser. Voilà, vas-y. Fais l'araignée. C'est ça ton job. De faire l'araignée. Vas-y, mets un coup de poing là-dedans. J'en fais appel à Thor, dieu de la foudre. Non, Finn, Finn, regarde pas. Elle va finir aveugle. Miles. Ah ouf, c'est peut-être moi qui va finir cramé, tout simplement. Hadouken. Et on spam la touche. C'est parti. Oh, j'ai une musculature d'enfer pour résister à ça. Quoique là, mes avant-bras vont peut-être se casser, non? Fracture du tumérus radius cubicus. Si vous voulez que je vous recharge votre portable, vous m'appelez, hein, les amis. Je peux vous recharger ça direct. Hein. Même pas besoin de mettre en mode avion. Hein.
Qu'est-ce que tu... Ouais, il a mis à ses chaussures. Feu. Ouah, c'est flash. Et maintenant, on fait quoi quand on est en haut? Je peux pas. Tout va bien. Je peux pas. C'est fini, laisse-toi aller. Allez, vas-y. Oh, c'est beau. Waouh. Big Bang Theory. Oh, l'explosion, ouais. Voilà, s'il reste pas des petits bouts de chicot à droite à gauche. Ça va, j'ai rien. J'ai rien. Miles. Oh mon Dieu. Dis quelque chose. Est-ce que tout le monde va bien? On va bien. Tout le monde. Oh, mon masque de Daft Punk. Je veux pas qu'on me reconnaisse, moi. Personne n'a vu qui j'étais à part ma daronne. Vite, vite, on remet la cagoule. Hey, j'ai vraiment un corps de bâtard. Oh merde, ils ont vu ma tronche. Fuck. Hey, reste pas ici, petit. On va s'occuper d'eux. Vous avez vu son visage? Ouais. Bon travail, Spider-Man. Merci. Maman. Tu peux rajouter, maman. S'agit-il? Lui, là. C'est notre Spider-Man. Salut The Rider. Je t'ai déjà salué une fois, mais je te resalue une deuxième fois. C'est la fin, les amis? Vraiment? Pas très court le jeu si c'est la fin. On a fait quoi? On a fait... En quoi? À peine 8 heures de jeu? C'est clairement des images truquées, c'est des deepfakes! Vous m'entendez? Trophée obtenu, sacrifice ultime. Vous m'entendez? Ah, c'est la fin de The Rider. Oh, oh, ok, on va se faire encore strike. Non, vous ne verrez pas. Simon Krieger est derrière les barreaux. Aaron Davis, yes, le rôdeur, s'est retourné contre lui et Roxxon. Davis ira en prison, même si sa peine pourrait être réduite. Je crois qu'il y a une leçon à retenir. Bah, du coup, go récupérer les autres trophées, hein, les ensemble, amis, maintenant. On est plus fort. Ah, c'est elle, ma graffeuse. Je sais pas si on le dit comme ça, mais... T'as l'air en forme, Ellie. Il y a encore quelques missions. Ah, c'est cool, alors. Oh, j'ai le rythme dans la peau, là, j'ai l'impression. Quelques missions secondaires. Alors, j'en ai déjà fait quelques-unes, Rider. Mais après, j'ai les trucs à récupérer. J'ai pas mal de trucs à récupérer encore. Puis j'ai le jeu en New Game Plus à faire aussi. À plus. Je suis avec mon nouveau casque boulanger là. Hey, salut, ça va? Ça va très bien, la forme. On se voit plus tard. Putain, le gars, il y a de la neige donc potentiellement dehors il fait froid et je me trimballe en petite chemise. Ok. Voilà. Des compétences citées. J'arrive pas à me faire à ce costume. Il est trop cool. Hey, j'arrive à boire à l'envers maintenant. Ouais, c'est vrai. Nice. En fait, moi, avec mon costume là que j'ai, je peux faire de la moto et Spider-Man en même temps. Ouais, en partie. C'est nice. Il y a des choses qui restent difficiles. Roxxon a fait ça ici parce que pour eux, on voit rien.
Moi, Rick, en voyant ce jeu, les potes, j'ai vraiment envie de voir le nouveau Batman là, qui va sortir sur console nouvelle génération. Je pense que ça va vraiment être génial. En plus, on va pouvoir le faire en coop. On va rajouter ça au Spider Serment. Ça va vraiment être super top. Et c'est développé par Insomniac aussi ou Warner, je sais pas. On y va. On y va. Vers l'infini et au-delà. Ouais, ça aussi je peux le faire. Ah, nice. Terminé. Il y a une compétence avant de mourir, tu fais l'attaque qui one-shot tout le monde, bioélectrique et tu regagnes ta vie. Oh, ça peut être cool ça. Petite cinématique de fin. Ok, on va regarder alors. De toute façon, c'est terminé. Donc je m'attendais à un peu plus de longueur par rapport au jeu. Je crois qu'il est quand même vachement plus court que le premier. Hein. Alors est-ce que c'est volontaire de leur part? Moi je dirais que oui. Vu que c'est pas vraiment une vraie histoire, c'est plus un spin-off. J'ai l'impression, ouais, on va dire ça comme ça. Mais ils ont fait du très bon travail. Il y a eu quelques petits bugs qu'on a relevés, mais franchement, sinon, le jeu, il est vraiment très bon. J'en attendais pas moins. Les combats sont vraiment très fluides. Donc, ouais, c'était un spin-off, hein. Enfin, ça a été quand même pas mal annoncé comme un spin-off. Ou on va dire un gros DLC, quoi, si on peut dire ça comme ça. Un gros DLC. Alors, on va regarder la petite cinématique de fin. Et ben, en tout cas, j'espère que ce petit let's play vous aura plu, les amis. Donc, on mettra cette dernière vidéo sur YouTube, peut-être ce soir. Tant que je la télécharge et tout, je vous la balancerai. Et du coup, on va refaire un New Game Plus pour récupérer tous les trophées qui restent. Hein. On peut passer là? Ah ouais, on peut passer. Ok. Mais est-ce que si je passe, ça me coupe la cinématique ou pas? Ok. Ok, on la voit quand même. Ça annonce peut-être le prochain Spider-Man, peut-être ? Petit indice. Les habitants de Harlem ressentent encore les effets du soulèvement provoqué par un groupe s'appelant l'Underground. Parallèlement au nombreux démêlés judiciaires. Alors, du vert comme ça, ça me dit quelqu'un. Le conseiller municipal Rio Morales s'est adressé hier dans les médias pour réclamer des subventions supplémentaires. Ok, attends, ça c'est qui ? Oh, c'est. Signes vitaux stables, système circulatoire fonctionnel. Ici. Oh putain, j'en étais sûr que c'était lui. Mais sa maladie pourrait l'or. Mais nous sous-estimons peut-être le danger potentiel. J'ai dit, libérez-le. C'est Osborn. Oh, la vengeance de Osborn, vraiment sur le prochain Spider-Man. Waouh. Alors moi j'annonce, les amis, nouveau Spider-Man dans, on est quoi, 2021 là, 2023 j'annonce le prochain Spider-Man. Allez. Ah, c'est possible, ouais, qu'il y ait un Venom Rider. Ça c'est pas faux, hein. Ça serait potentiellement possible. Après, j'ai pas vu le film Venom. Est-ce que dans le film, ça raconte qui c'est le personnage? Mais un Venom, ça serait génial. Au revoir, Finn. Ah, c'est la petite le petit cube qu'on avait trouvé au début. Ok, je reprends mon taf. Ok, Spider-Man, Miles Morales, félicitations, vous avez terminé l'histoire principale.
Mais l'aventure continue. Vous pouvez désormais rejouer des missions déjà accomplies avec rejouer à partir du menu pause pour faire des activités ASDQ avec l'appli ASDQ. Vous pouvez également modifier l'heure de la journée à partir du menu des options. Vous pouvez recommencer en difficulté ultime pour plus de challenge ou commencer une nouvelle partie plus en gardant vos gadgets et vos compétences pour en débloquer encore plus. Bonne chance, Hero. Merci beaucoup. Emma, t'es occupé ? Non, ça va. Qu'est-ce qu'il y a ? Bon, là, c'est totalement différent parce que Venom, ça sera Harry. D'accord, ok. Je pensais à Finn et je me disais... Vas-y, je t'écoute. Elle m'a sauvé la vie. Et la tienne aussi. Ouais, j'ai 4 points de compétences. Mais c'est à cause d'elle qu'on a tous été mis en danger. Sauf que... Ok, encore des petites missions annexes à faire. Bah, on les fera demain, les amis, alors. Je la comprends un peu. Tout le monde fait des erreurs. Regarde ton oncle Aaron. C'est grâce à lui que Krieger m'a mis en prison. Et il nous a aidés à évacuer les habitants d'Harlem. Mais chaque fois que je le vois, je repense à toute la peine qu'il a infligée à ton père. Ouais. Rien ne t'oblige à avoir une idée arrêtée sur la vie de Finn, Miro. Ou sur sa mort. Souviens-toi juste de qui elle était vraiment et pourquoi tu l'appréciais. Tu sais toujours trouver les mots justes. C'est mon boulot de maman. N'hésite pas à me rappeler. Entiende? Si. Te quiero. Te quiero. Mami. Et ben voilà, les amis. Hein. Voilà, voilà. Donc, ce fut un plaisir de pouvoir faire l'histoire avec vous de notre ami Miles Morales. Je vais regarder un petit peu ce qu'on fera pour le prochain jeu. Mais là, il n'y a pas vraiment grand-chose d'intéressant. Salut Miles, je viens en nouvelle après. On va écouter Pete et je reprends juste après. Il s'en est passé des trucs pendant mon absence. Jamais de repos pour les Spider-Man ? Ah non. À ce propos, maintenant que je suis revenu, je vais pas passer mon temps à me balancer derrière toi et à te surveiller. Je te fais confiance. Et en plus, j'ai des affaires à régler. Comme quoi ? Je peux t'aider ? Je dois trouver du boulot. C'était cool d'être freelance pour le Bugle, mais il faut quelque chose de plus stable. T'as pensé à faire prof ? Je pense que tu serais bien. Ouais, bah... Ouais, ça serait bien, un petit Peter. Non, j'avais pas pensé à ça. Peut-être. Mais je vais y réfléchir, on se rappelle. Ok, donc oui, ce que je disais, les amis, il n'y a pas beaucoup de jeux pour l'instant qui sont, on va dire, intéressants. Même sur la nouvelle génération de consoles, bon, je l'ai pas encore, mais... Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose d'intéressant, donc je vais voir un petit peu ce qui est sorti récemment. Donc Cyberpunk, c'est sûr, je ne l'ai pas fait, mais on va pas le faire pour l'instant, parce que Cyberpunk, de toute façon, il a été retiré de la vente, donc Cyberpunk, on le fera pas, on va attendre. L'appli, y a un hélicoptère fou dans ta zone. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Bah, je regarderai, je vous dirai éventuellement quel jeu on pourrait se faire, les amis. Alors, ça peut être un jeu indépendant, on va voir. Parce que les AAA, bah, là, pour l'instant, il n'y en a plus. On s'est fait Spider-Man, on s'est fait Assassin's Creed Valhalla, donc Cyberpunk, bah, il est tout buggé, donc on va pas le faire maintenant. Donc on verra plus tard. Donc je remercie beaucoup en tout cas tous ceux qui sont passés durant ce petit Let's Play de Spider-Man, c'est cool. Donc on reviendra demain pour continuer un petit peu tout ce qui nous reste à faire sur le jeu. Donc je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Moi je vais changer de jeu là, on va aller sur un autre jeu. Et je vous dis à plus, prenez soin de vous. Allez, ciao.